On a montré pendant 80 minutes qu'on avait une bande de France, qu'on était saoulés. Contre l'Afrique du Sud, il y a eu un festival offensif. Et aujourd'hui, voilà, on a montré que défensivement, ça marchait aussi. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est contre l'Angleterre en finale, avoir les deux ingrédients, l'attaque et la défense, pour pouvoir espérer gagner. C'était pas facile, hein. Soit en première mi-temps, on l'a bien senti. C'était dur, fallait pas lâcher. Mais mentalement, on était prêts. On n'a pas lâché. Seconde période, on entame bien la deuxième période et on score directement. Du coup, ça s'est bien passé. On voulait gagner, hein. On voulait à tout prix gagner ce match. On savait que ça allait passer par un énorme morceau contre les Blacks. Voilà, je l'ai fait un peu arroser là, esquive. Et puis là, c'est fantastique de gagner comme ça. On a réussi à mettre notre jeu en place, on a mis un énorme combat et puis là on peut être fiers de nous, on peut se féliciter. Ouais. On avait prévu de mettre un gros défi physique devant, de mettre au taquet de rythme et je pense que c'est ce qu'on avait prévu, oui. Et ça paye. Une bonne bande de potes, franchement, voilà, on se connaît depuis 3, 4 ans, 5 ans, on joue ensemble depuis très longtemps donc ouais, on se connaît bien et on s'aime tous. Quand je vois à chaque arrêt de jeu, on s'encourage, on n'a rien lâché tout le long et c'est ça qui a payé ce soir. C'est une belle génération, c'est une belle bande de potes. Franchement, on a pris beaucoup de plaisir aujourd'hui. L'objectif, il a été atteint. Et place à la finale.